Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est devant ma tricothèque. Voilà, bon, il y a pire hein, en tricothèque, je sais, j'en ai déjà vu, il y en a que c'est... Ah ! Mais voilà, il y en a quand même déjà pas mal. Ça commence à être un peu fouillis. Donc, j'ai envie... De ranger tout ça. J'ai envie de trier également, parce qu'il y a des choses que je ne veux pas garder, parce que je sais que je les tricoterai jamais. Il y a des choses que je vais garder. Voilà. Alors, je suis en train de penser que je voulais prendre un cahier. Je sais rien, je vais regarder si j'en ai un, pour essayer de noter au fur et à mesure ce que j'ai. Parce qu'en plus, je ne sais même plus ce que j'ai. Comme ça, après, par la suite, je pourrais me trouver des modèles. Cette laine-là pour ce modèle-là, cette laine-là pour ce modèle-là. Pour pouvoir que ça se vide. Alors, là, pour l'instant, je vais déjà essayer de me trouver un cahier. Il y en a là dans mon tiroir. Alors, je ne vous montre pas le reste de l'atelier aujourd'hui. Vous aviez vu, hein, je l'avais bien rangé, tout, c'était nickel. Mais avec, comme je suis en train de tout trier, il y a déjà une bonne partie qui est partie. Oui, une bonne partie qui est partie, c'est le cas de le dire, qui a été vendue. Donc, mais par contre, c'est fouillis. Donc, un petit peu à la fois, je vais re-ranger. Peut-être que je rangerai avec vous, je ne sais pas, je vais voir. Mais bon, j'ai aussi de l'électroménager, du petit électroménager dans cette pièce, je ne sais plus si je l'avais dit, que je dois vendre, que je n'arrive pas à vendre. Donc, il faut que... Je pense que, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, on va aller dans les boutiques qui rachètent d'occasion. Parce que... Alors, Chouchou adore les cafetières, genre Tassimo, Dolce Gusto, etc., et puis ben, quand il envoie une nouvelle il l'achète. D'ailleurs il vient d'acheter la toute nouvelle, la Dolce Gusto, vous savez, la grosse blanche là, qui avec les, comment, avec ça, qui, comment, compostable, voilà, avec les dosettes compostables, mais elle lui plaît pas, donc la cafetière ici dans ma pièce. Si jamais ça intéresse l'une d'entre vous, dites-le moi. Voilà, donc il y a plein de trucs que je dois vendre. Ça continue, je vais prendre une place à la brocante. Je vais tout vendre à la brocante. Parce que... Non, c'est horrible. Donc, je ne vous montre pas le reste de la pièce aujourd'hui. Ce sera une autre vidéo, voilà. Alors, je vais juste me chercher un cahier, un crayon, et je suis là tout de suite. Allez, on est parti. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue quand même. Hein. Mais voilà. Alors, d'abord, j'ai ce carton, mais ça, je sais, le carton, je vais l'enlever. Je vais le garder pour envoyer des choses que les personnes m'ont achetées. Ah, ça va se faire mesurer clair. Vous voyez, ça les... Ah, c'est la fermeture éclair pour mon, aidez-moi, mon pull camionneur, voilà. Ben, je vais regarder, j'ai une petite boîte là, parce que... ah ben elle est vide. Hop. Comme ça les boutons, ferme les petits accessoires, je vais pouvoir les mettre dedans. Donc la fermeture éclair dedans, voilà. Là je sais que j'ai des boutons. J'avais acheté des boutons. Alors, celui-là, c'est pour un pull que je veux me faire. Et ça, c'était pour un gilet que je dois faire à ma petite fille. Alors, ça, ça, non. Ça, ça, non. Voilà, c'est ces quatre pelotes-là. Non. Ça, c'est pour donner à quelqu'un. Donc, voilà. Hop, ils sont
sont dans le carton, ni vu, ni connu. attention, le bruit. Voilà. Alors, il y a Fifi qui est quelque part, mais elle a dû se planquer. Je ne sais pas où. Alors, ça, ouais, je vous disais, c'est la cocooning bergère de France. Voilà, que je suis en train de broder, j'allais dire, de tricoter. Donc, celle-là, je ne la marque pas sur le cahier. Alors, par contre, hop, hein, un peu plus, un peu moins, on ramassera après. Alors, il y a des, je vous dis, il y a des pelotes que je ne vais pas garder. Donc, je vais vous le dire en même temps. Et si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur mon groupe Vide Atelier. Bah, si vous voulez les acheter, parce que je prendrai pas votre demande d'achat sur la vidéo en considération. Vous pouvez juste me marquer, bah, je vais voir sur ton groupe. Voilà, parce que je suis intéressée. Donc, ça, c'est pour faire les cakes. Bon, il n'est pas tip top, hein, c'est un qui vient de Chine, mais bon. De toute façon, comme je ne fais pas de vraiment de cakes. Alors, ici, il y a une pelote de commencer. Ça, vous vous rappelez, c'est mon pull cache-cœur que je dois reprendre et c'est terminé. Oh, excusez-moi, j'ai le petit rhume ce matin. Donc, hop. Donc, ça, c'est sa pelote. Et lui, comme je dois le terminer, on va le mettre là-dedans avec ses pelotes. Comme ça, je cherche pas après. Voilà. Et je sais qu'il y a encore des pelotes là. J'aurais peut-être pu prendre un sac plus grand. Bon, ça ira. Voilà. Comme ça, ceux-là, elles sont retirées de ma tricothèque. Donc, c'est le fil caresse de chez Fildart. Alors, c'était la couleur. Je crois que la couleur n'existe plus. C'est la couleur lumière. Voilà. Mais de toute façon, ouais, cette couleur-là, je pense qu'elle n'existe plus. Donc, en plus, il ne faut pas que je tombe en panne hein, pour finir mon pull. Mais je pense pas que ça devrait aller. Voilà. Comme ça, je sais que ce petit sac-là, c'est mon pull cache-cœur que je dois terminer. Oh, excusez-moi, je renifle, mais... ça, c'est un pic fleur. On met des fleurs dedans et voilà. Et ça sert pour mettre mes petits ciseaux. Je vous ferai une vidéo de mes ciseaux. J'en ai pas mal. Voilà. Bon, ça c'est un trifil. Allez, on attaque. Par où ? On attaque par où ? On va commencer par le haut. Voilà. Ah oui, bah, ce que je vais pas garder. Que je ne vais pas garder, je vais le mettre dans cette petite malle. Il y a deux bricoles là qui vont. Hop. Oh, je cherche plus. Hein. Voilà. Ce que je vais pas garder, je vais le mettre là-dedans. Ben, je vais le mettre par terre, ça ira mieux. Et ça, c'est ma couverture. Ah, il y a des restes de laine là. J'ai une boîte pour les restes de laine. Oh là là, j'en ai marre enfin, de ce petit rhume qui commence. Pourquoi j'ai commencé à avoir un... Oui, ça c'est couverture 2023. C'est la première partie. Bon. Alors, je disais que je vais mettre dans cette malle ce que je ne garde pas. Alors, ce que je garde pas déjà, ça va être ça. C'est une bobine de fil argenté. Voilà, ça, je ne garde pas. Alors, là, j'ai de la bergère de France. Je ne sais pas si je vais marquer en même temps que je fais la vidéo. Ça va peut-être être long. Je ne sais pas. On verra. Alors, bergère de France. Là, il y a trois couleurs parce qu'elle est prévue avec un pull blanc. Voilà. C'est pour faire des nops, je crois, ou je ne sais plus le modèle. Donc, il y avait ces trois couleurs-là à mettre. Donc, ça ira avec les pelotes blanches. Ça, je ne garde pas.
c'est deux grosses pelotes, mais c'est pas la même couleur, je crois. C'est du 7. Ah si, c'est la même couleur. Voilà. Donc ça, ce sera à vendre. Hop. Bergère de France, de la Barzienne. Alors, je ne sais plus c'était pour faire quoi. Vous voyez, c'est pour ça, je vais noter quand même, Barzienne, Dolmen, le nombre de pelotes. Et je ferai un tableau Excel avec ce que je veux faire avec. Voilà. J'enlève tout parce que je vais donner un coup de poussière en même temps. Alors là, c'est pareil, j'ai de la Barzienne, mais couleur azur. Voilà. Et donc la dolmen, c'est ça. C'est gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, Barzienne. Oh là là, j'ai un stylo qui ne va pas. Ça commence bien. Bon, ben alors. Ah. Parisienne, PDF, hop. J'ai dit quoi la couleur? Dolmen, gris. Ouais, ça va être long hein, si je fais ça avec vous, mais bon, on verra. Parce que je voudrais bien mettre les bergères de France avec les bergères de France, les voilà. De toute façon, ceux-là, elles vont retourner dans cette case-là. Voilà, le petit chiffon. Voilà. Et voilà. Allez, on va les re-ranger. Donc là, il y en a 10 de chaque. J'ai pas marqué la couleur de celle-là. Azur. Alors, bleu. Donc il y en a 10 aussi et c'est de la voilà. Oh là 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 là, ça va être long. Non, ça va aller. Comme ça va tomber, on va déjà faire une autre couleur. Ben, on va mettre le blanc. Voilà. Là, pareil. Ben, voilà. Voilà. Barzienne, Bergère de France. C'est la couleur igloo. Donc, blanc. Igloo. Je pense que je dois en avoir 10 aussi. Mais on va compter. Donc, cela, je vais les mettre là, dans le coin. Et il y a un emplacement où je voudrais mettre que la laine pour la couverture, pour les couvertures météo. Voilà. Non, toi, après toi. Là. Alors la blanche elle est là. J'ai tout qui tombe. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez, 4. Ouais, j'en ai 9. Je crois en avoir une qui est. Ah ben non, c'est pas celle-là. J'en ai une de commencer quelque part, mais c'est pas grave. De toute façon, le blanc, s'il manque une pelote ou deux,
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'histoire de bas ou normalement c'est toujours toujours bon. Alors, ça c'est neuf. Et ensuite, j'ai les barisiennes. Voilà. Donc là, c'est la royale. La jojoba. Et la capucine. Donc, ceux-là, en attendant, elles vont là. J'ai dit quoi, la capucine. Donc, un rose. Capucine. Une. La bleue, c'est la royale. Une. Et la verte, c'est jojoba. Voilà. Alors, où ai-je encore de la bergère de France? Ça, c'est les très grosses pelotes, c'est Action, tout ça. Non, il y a là, toi. On va s'occuper de toi après. Ça, c'est de la pingouin. Alors, ça, c'est de la bergère de France. Mais il m'en reste que trois. Voilà, donc celle-là, elle est plus grosse, c'est de la 6,5, enfin c'est la barisienne 7, et c'est le bleu marine. Donc là, il m'en reste que 3, mais bon. On verra par la suite. Donc, bleu marine. Il en reste 3 et là c'est de la barisienne 7. Voilà. Ensuite, ça c'est quoi? Non, c'est de la fil d'art. Là, c'est de la pingouin. De la pingouin. Oh, il n'y a pas beaucoup de bergères de France en fin de compte. J'en ai pas, enfin si j'en ai encore, mais c'est de la fine, donc elle va aller dans un autre une autre case. Donc cette case là pour l'instant c'est bon, voilà, j'y touche plus. Ici je vais faire tout de suite. Alors là j'en ai, je sais pas, j'ai pas envie de les garder, je sais pas, pour faire un bord de châle, pourquoi pas. Voilà, c'est de la fourrure cheval blanc, louve, de la louve, et la couleur chade. Donc celle-là, bon, pour l'instant je me la mets là, mais ici, voilà, ça c'est une partie de la couleur pour... J'aurais dû prendre... Ah bah attendez, je crois que je l'ai en... Ah bah non, c'est dans mon téléphone. Parce que celle-là... Celle-là, je crois que j'en ai pas besoin. Attendez, je vais faire un truc. Voilà, j'ai remonté ma tablette, j'attends qu'elle s'ouvre. Je suis soufflée. Allez, petit coup de poussière en attendant. J'adore cette étagère. Je l'ai eue sur Amazon. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Au moins, vous pouvez y ranger tout ce que vous voulez, votre laine, vos broderies, vos DP, voilà, tout ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des cubes dedans pour ranger. Ouh. Voilà, je suis vraiment essoufflée là. Alors, où est-ce que je vais trouver ça? Est-ce que dans mon drive, j'ai la photo? Alors, il faut savoir que si vous avez le compte OneDrive, tout ce que vous mettez sur Internet, vous retrouvez là-dedans. Enfin, tout, pas sur Internet, mais sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Je n'en peux plus. C'est les photos que je veux voir.
Excusez-moi, hein. Allez, dépêche-toi. Bon, je crois que... Ouais, j'ai des vidéos, j'ai plein de trucs qui datent de... Monsieur Zalem. Alors, ah, voilà. Vous voyez, je vous l'avais dit que j'allais le retrouver tout de suite. Si j'arrive à l'ouvrir. Il n'y a plus beaucoup de batterie, donc je l'ai mis en charge là. Et du coup, voilà, ça y alors, attendez, je vous le montre en vitesse. Vous voyez, ça c'est mon... Ouais, bon. Bon, voilà, ça y est. C'est mon fichier, mon nuancier, pardon, pour la couverture de cette année. Donc, il y a des couleurs que je n'ai pas besoin pour celle de cette année, comme celle-ci, et j'aurais pas besoin. La 44, non. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Celle-là, c'est quelle couleur? La 45. J'en ai pas besoin non plus. Je vous les montrerai après. Voilà. Celle-là, oui. La 41. Vous me voyez? Je ne sais pas si vous me voyez bien. Voilà. Alors, hop. La 41, oui. Mais bon, c'est pour les grosses températures. Donc, on va la mettre dans le fond. C'est pour les températures 41 degrés et plus. L'année dernière, j'en ai pas eu besoin. Voilà. Alors, j'ai tout ça à ranger hein, dedans. On va le vider sur la table. Je vous montre. Attendez. Voilà, vous voyez? Voilà. C'est ça, c'est pour la couverture. C'est une partie pour la couverture, hein, parce que j'ai pas... Je n'ai pas tout. Alors, ça, c'est la couleur 13. Et celle-là, c'est la couleur 08. Donc, 08 et 13, j'en ai besoin. Et ça, c'est le froid. Toi, mets-toi là. Ah. 08. Ici. En plus, si je l'ai fait tomber, ça va pas le faire. Alors voilà ce que je vous disais dans ma vidéo l'autre jour. Vous voyez, il m'en reste qu'une de chaque. Donc il faut que j'en commande. Alors celle-là, c'est la, la 17. La 17, j'en ai besoin, oui. Et celle-là, c'est la 22. J'en ai pas besoin pour la nouvelle couverture, mais j'en ai besoin pour la 2023. Ouais, c'est compliqué, hein, mon histoire, mais bon. Et ça, c'est la 18. La 18, j'en ai pas besoin pour la nouvelle. Alors, ça, c'est le blanc. Ça, oui, j'en ai besoin. Le blanc, c'est pour faire mes fins de mois. Voilà, à chaque fois que le mois se termine, je fais un rang blanc. Donc, celle-là, c'est la 08. 0,8, j'en ai un. 0,8. Celle-là, c'est une 0,8. Ouais. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là, j'ai plus à en commander. Je vais me marquer. Il faudra que je commande de la 13. Pas beaucoup, parce que nous, il ne fait pas très très froid ici. La 59. La 60, voilà. Donc celle-là, ça va être pour la vieille couverture. Alors, je sais pas comment je vais faire pour l'ancienne. Est-ce que je mettrai pas dans une boîte, par exemple, celle que j'ai besoin pour l'ancienne couverture, mais que j'ai pas besoin pour la nouvelle.
Voilà, comme ça va me faire de la place. Bon, elle n'est pas très grande hein, ma boîte, mais ça ira. Voilà. Ça, c'est de la 22. La 22, j'en ai besoin pour la vieille couverture. Enfin, la vieille. La couverture de l'année dernière, mais pas pour la nouvelle. Donc, on peut le mettre là. Ça, c'est la 17. Oui, la 17, j'en ai besoin. Hop, voilà. Bah oui, vous voyez. En plus, j'en ai plein. Et qui vont peut-être pas me servir. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas les revendre. Ou je verrai si je fais un truc avec. Voilà. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pelotes comme ça. Que je n'ai pas besoin pour la nouvelle couverture. Mais je peux faire des coussins, je peux faire plein de choses. Hein. En fin de compte, j'ai pas tant de gain que ça. Hein. Alors, celle-là, on va la mettre là. Parce que, hop, voilà. Voilà. Ensuite, ça, c'est la 17. J'ai dit que la 17, j'en avais besoin. Hein. Oui. Donc, la 17. La 17, ça c'est encore une 17. Voilà. Ça, c'est la combien? La 21. 21. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai besoin de la 21. Donc, on va la mettre devant. Mais je crois que j'en ai besoin aussi pour l'ancienne. Mais c'est pas grave. Je vais la rechercher dans ce stock-là. Encore une grise, je serais pas en manque de. Il peut faire froid hein. La 08. Vas-y, hein, il peut faire froid. La 08, c'est pas la peine que j'en recommande. Ensuite, les verts. En fin de compte, j'ai pas tant de pelotes que ça. J'ai pas encore beaucoup commandé. la 29. Oui, j'en ai besoin. Hop, donc, on va la mettre là. Voilà. Et celle-là, oui, je sais que j'en ai besoin pour la nouvelle, mais pas pour l'ancienne. C'est la 30. Voilà, vous voyez pas bien. C'est couleur menthe. J'ai dit combien? La 30, oui. Oui, j'en ai besoin. Voilà, et ça c'est température vraiment très chaude, mais je vais mettre cela derrière. Alors j'ai pas de jaune. Oula, je n'ai pas de jaune. Bon, non, j'ai encore le temps, ça va, mais je n'ai pas de jaune. Voilà. Et la blanche, je la mets dans le fond. Voilà. Voilà, ça c'est mon stock pour l'instant pour la couverture 2023. Donc je n'ai pas assez, ça c'est sûr. Et je viens de dire que je n'avais pas de jaune. Donc il me faut de la 35, de la 36, de la 37. Oula, vivement qu'il solde cette laine-là. Et j'ai dit qu'il me manquerait de la... Celle-là, je l'ai marquée de la 13. Ouais. Donc là, pour l'instant, il me manque ces couleurs-là. Ok. Je vais marquer couverture, hein, parce qu'avec ma petite tête de linotte, je saurais plus. Voilà. Et donc... cela par contre j'en ai pas besoin pour ni l'une ni l'autre, enfin j'en ai plus besoin pour l'ancienne et j'en ai pas besoin pour la nouvelle.
vais certainement la revendre parce que la couleur me... Je... Non. Donc ça va dans la boîte pour revendre. Voilà. Ensuite, on va faire en haut. Voilà. Alors, ça, c'est de la pingouin, mais ça n'a rien à faire avec la laine qui... Ah, ça, c'est un pull que je suis en train de faire. C'est le pull fil d'art que je suis en train de faire. Donc, ça, on met de côté. Alors, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais que j'en aurai pas assez, donc ça, il va falloir que j'en recommande. Là, c'est les cotons. Alors, les cotons, j'ai envie de les mettre dans autre chose. J'ai envie de les mettre dans autre chose. Ben, je vais changer. Ça, je vais le mettre dans ailleurs. Je vais le mettre là pour l'instant. Voilà. Et je vais mettre les cotons là-dedans, dans cette boîte. Comme ça, je vais gagner de la place. Alors, les cotons. Je crois que c'est tous des bergères de France. Ah non, il y a des hobbies dedans. Alors, c'est bergère de France. Oh là. Bergère de France. Ma lumière, elle va trop fort. Elle va trop fort. Voilà. Alors, c'est du coton. Comment il s'appelle celui-là? Coton 50. Voilà, c'est la couleur coco, blanc. N'existe plus. Et là, je sais que j'en ai encore une. Donc, je vais la mettre avec. Parce que comme celle-là n'existe plus, si je fais quelque chose avec, il vaut mieux que j'ai. Oh ouais, la boîte va être trop petite. Ah mince. Bon, ça y est, on va faire comme ça en attendant. Et on verra plus tard, après. Ici. Pourquoi j'ai ces couleurs-là? Je ne sais plus ce que je devais faire avec. Alors là, j'ai trois couleurs. Une jaune, une orange et une verte. J'avais prévu un truc avec ça, mais quoi, je ne m'en rappelle plus. Je les mets dans la boîte pour l'instant. Et les cotons, je les marquerai sur le cahier après. Alors, ça, je garde pas. C'est deux pelotes de coton ami de chez Zeman, pardon, couleur toffee. Mais ça, je garde pas. Hop. Là, il doit y avoir une pelote quelque part. Mais où? Ah, bah, elle est là. Elle est tombée. Voilà. Alors, ça, c'est du hobby. C'est du Rainbow 8-4 de luxe, 100% coton. Et ça, c'est la couleur 45. Alors ça, je sais ce que je veux faire avec, mais est-ce que je vais avoir assez? Normalement, on verra. C'est un petit modèle un petit top que j'ai vu sur une de mes revues. Et donc, j'avais pris deux couleurs. Je vais peut-être le faire en deux couleurs, mais bon, je ne sais pas si vraiment ces deux couleurs vont ensemble. Pourquoi pas? Donc ça, c'est la couleur 26. Pareil, c'est du hobby. On verra bien. Ouais, les cotons, je les mettre dans une autre boîte. Et là, il me reste... Le coton blanc et celui-là, j'avais fait mon petit sans manche. Rappelez que rayé. Bon, pour l'instant, il est dans l'armoire hein, parce que c'est un truc d'été. Et donc, ça, c'est ce qui me restait. Là, c'est couleur jade. Et ça, c'est pareil, ça n'existe plus. Donc, je verrai, j'essaierai de refaire un truc avec. Voilà, donc mes cotons, pour l'instant, sont là-dedans, mais je vais les remettre dans une autre boîte. Ensuite, petit coup de chiffon.
je vais d'ailleurs enlever ce que je garde pas. Ça, je vais pas garder. Non, la couleur est vraiment pas pour moi. Ça, par contre, c'est un joli fil, hein, vous voyez, c'est un fil bouclette. Alors, ça revient à la mode. J'ai vu ça hier, avant-hier, que tricoter avec les laines bouclettes comme ça, ça revient super à la mode. Bon, moi, c'est la couleur là qui me gêne, c'est pas la texture. Bon, c'est du 100% polyester. Je vais chercher la couleur. Ouais, jaune, tout simplement. C'est jaune, le 103. Voilà. Donc ça, c'est dans la caisse pour revendre. C'est pas la peine que je garde, je m'en servirai pas. Donc, comme je vous ai dit, hein, s'il y a des laines que je revends qui vont vous intéresser, je viens de voir passer Fifi. Ah, elle est là. N'hésitez pas à aller. Alors, je vais essayer de faire ça dans la journée, si je peux. Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? Ah, il y a Fifi. Attendez. Faites pas attention au bordel. Hein. Coucou, Fifi. Ouh, c'est quoi, sa maman? Oh, c'est doux, tout ça. Oui, ben, arrête de râler. Elle est râleuse en ce moment. C'est râleuse. Oups, attendez, je vous ai trop monté. Voilà. Ouais, du coup, n'hésitez pas à aller sur mon groupe. Alors, celle-ci, ça va être pareil. Oh, Fifi. C'est de la Pingo Frizzy. Voilà, donc c'est de la laine à bouclette également. Mais la couleur, pour moi, ça le fera pas. Et c'est quoi comme couleur? Corail. Couleur corail. Donc ça, hop, ça va dans la caisse pour vendre. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu veux une petite, un coup de main, maman? Oui. Ensuite, alors celle-là, je vais la garder. Je crois que c'est un coton. Ouais, 96% coton, 4% polyamide. Voilà, alors celle-là, je vais la garder. La couleur, là, me va. Il y a du lurex dedans. C'est l'Estérel 3 lurex. Sa couleur, bah, rouge, tout simplement. Voilà, vous voyez. Donc, là, c'est un coton. C'est un coton, mais du coup, dans la boîte à coton, ça... Bon, je vais la mettre dans la boîte à coton en attendant. J'en ai encore une autre. Ou alors, je vais faire un cube coton. Oui, mon bébé. Elle veut des câlins. Elle veut des câlins. Voilà. Donc ça, les cotons, je les remarquerai après sur mon cahier. Petit coup de chiffon. Voilà. Ici. Alors, celle-là, je ne sais pas. Elle est déjà en vente sur mon groupe, mais bon, elle ne se vend pas. Il n'y a personne qui en veut. Donc, je vais peut-être essayer de faire quelque chose avec. J'ai déjà le modèle. Hein. C'est de la 100% laine de chez Obi. Alors, oh là là. Voilà. Elle a un an, elle est couchée dehors. La Snowstorm, voilà, c'est 100% laine. Voyez, elle n'est pas, c'est pas une laine tordue, je sais plus comment on dit, mais voilà. Bon, elle se tricote en 7-8. Alors, je vais encore la garder pour l'instant. Bon, sachez qu'elle est déjà, j'ai déjà mis quand même en vente sur mon groupe. Si quelqu'un la prend, ben, tant mieux. Hein. Sinon, si j'arrive pas à la vendre, bon, je me ferai quelque chose avec. Mais bon, on verra. Oui, maman, elle est là. Donc, je vais la mettre là. Alors, celle-là, par contre, je vais la marquer. Ah, mais oui, mais... Comment je fais pour ranger, moi? Comment je fais?
Alors, j'ai marqué laine hobby, 100% laine hobby, parce que le nom Fifi, mais t'arrêtes avec maman. Ouais! Donc, elle est marron. Quelle couleur ils disent que ça s'appelle? J'ai même pas regardé. Ah ben non, ils ne marquent pas. C'est sur le site que vous avez les noms des couleurs. Là, c'est la 23. Alors, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, j'avais déjà commencé. Je l'ai rebobiné. Parce que au début, j'ai dit, j'ai du mal, mais bon, c'est parce que j'ai mal dû m'y prendre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, je sais que j'en ai un gros paquet. 10, 11. 12, 13, 14, 15, 17. J'en ai 17. Je sais que c'est ce qu'il fallait pour le pull que je voulais faire. Donc, oh, Fifi, donc, j'en ai 10. Arrête, mon bébé d'amour. Tu veux que je m'occupe de toi, mais regarde, les copains, les copines, ils veulent que je range mon armoire à laine. Alors, en hobby, je n'ai plus rien d'autre. Je n'ai que celle-là et les laines pour la couverture. Voilà, et puis quelques cotons. Hobby, c'est tout. Bon, j'en fais quoi? Oh là là, faut que je rentre mon ventre. Hein. Je me mets comme ça. Pas que je me mette de profil. Comme ça, c'est mieux. ouais, j'ai eu celle-là. Alors, je ne sais. Aïe, 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 mon bébé. Et ben voilà, t'es accroché. Heureusement que maman, elle met des vieux pulls à la maison. Hein. Rappelez, ben ça, la orange, la jaune, la petite rouge lurex, c'était un colis mystère, hein, tout ça. Pour l'instant, je ne sais, j'ai pas encore regardé ce que je pourrais faire avec. Voilà, oui. Je regarde si elle pique pas. Non. Mais c'est le genre de truc pour faire un gilet ou pas un pull que je mettrais sur ma peau directement. Ça se tricote en 6,5. Mais bon, c'est une laine qui ne se fait plus. Donc, il faut que je regarde un modèle. Parce que là, en taille 42, ils disent 7 pelotes pour un pull. Mais moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, je fais du 40. Enfin, 50. On va dire la vérité. Je fais du 50. Alors, est-ce qu'il y en aura assez avec 10? Mystère et boule de gomme. Donc, je vais la garder encore un peu. Si je trouve pas de modèle, je la mettrai en vente. Puis on verra bien. Voilà. Alors, je vais la mettre là, dans le fond. Je vais marquer son nom. Donc, c'est la Gardening. Il y a de l'alpaga dedans. Alors attendez. Oh là là. J'aurais pas dû mettre ma lumière. Voilà, voyez. Il y a l'alpaga. Alors ça, c'est fil d'art. Fifi, arrête de me faire ça. Fil gardening. Gardening. J'ai dit qu'il y en avait 10. Voilà, donc on verra bien. Pour l'instant, elle va dans le fond. J'aurais pas dû la mettre là, parce que là, il y a Bergère de France et j'ai encore de la petite Bergère de France. J'aurais voulu la finir là, mais ouais, non. Ouais, je sais, je suis maniaque. Je suis maniaque. Bon, on va la mettre là. On va finir les bergères de France. Alors, bergères de France. Ça et ça, c'est ensemble. Alors, à la base, ces deux-là sont ensemble. C'est de l'idéal. Voilà. Couleur calanque et couleur
Mage. Mage. Je sais pas ce que c'est. C'est pour me faire un pull marin. Donc j'ai pas encore fait, bien sûr. Et avec les boutons. Alors, les boutons, je ne sais pas s'ils vont vraiment, vraiment. Bon, si, ça va. J'avais pris ces boutons-là parce qu'il y a une patte de boutonnage sur l'épaule. Voilà. Donc, il y a un truc de prévu avec cela. Mais je vais le remarquer. Non, non, mais elle mange ma laine. Mais t'es pas bien, hein. C'est nouveau, ça vient de sortir. Elle mange la laine. Oh, je vous jure. Alors, Bergère de France. Idéal. Alors, la calanque, j'ai dit, bleu. Fifi, mange pas la laine à maman. Et là, j'en ai. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là. Mais arrête de te frotter sur mes pelotes. Blanc cassé. Voilà. Donc j'en ai 10 aussi. Donc voilà. Hop, on va les mettre là. On va mettre les blanches. Enfin, c'est pas blanc, c'est blanc cassé. Et ivoire, on va dire plutôt. Voilà. Donc ça, on verra hein, quand est-ce que je la ferai, mais comme c'est pas, c'est un modèle demi-saison, ça va. Voilà. Voilà, il n'y en a plus. Non. Donc voilà, ça c'est pour mon pull marin. Il y a trop de laine, hein. Je crois qu'il y en a trop, mais bon. Ici, j'ai encore une Bergère de France. Mais ça, je vais la mettre de côté. C'est la laine. Alors là, il me reste une pelote, une en bas, une commencée. Donc normalement, ça devrait aller puisque c'est pour, c'est le débardeur à chouchou. Il n'y a pas de manche. Donc c'est bon. Donc ça, c'est la Calinou et ça a la couleur lac. Elle est toute douce. Elle porte bien son nom, ça. Donc celle-là, elle est sur le côté puisque je suis en train de faire l'Opel. Bergère de France. Voilà, j'en ai encore ici. C'est la Calinou également parce que je voulais faire un deuxième débardeur à chouchou, donc j'en ferai peut-être un deuxième. Hein. J'ai la pelote, j'ai les pelotes, mais là c'était cette couleur-là, c'est un peu bordeaux, c'est carmin, couleur carmin. Donc elle va aller là avec ses petites copines. Donc là j'en ai. 6, mais ça suffit puisque c'est un pull sans manche et puis chouchou il fait une taille plus petite que moi. Alors celle-là j'ai dit Calinou. Carmin. J'en ai 6. Je le marque quand même parce que bon si jamais je trouve un autre modèle pour faire un chouchou. Ici, c'est quoi? Pingouin. Ça, c'est pingouin. Là. Ah, Bergère de France. J'ai encore de la Bergère de France. Celle-là, je vais la mettre là-bas. Il y en a une qui est commencée. Alors, je ne sais. Ah oui, je sais ce que j'avais fait avec. Voilà. Donc, c'est de la. Bah, c'est de la quoi celle-là? Ah, c'est de la sport, voilà. Sport plus, couleur crème. J'avais fait un. Comment on appelle ça? Un gilet boléro pour ma petite fille. Voilà. Et du coup, il m'en reste. Là, ça se fait avec du 5 et ça se fait avec. Ah, du 6,5. Dommage. Bon, c'est pas grave.
Donc on va mettre ici. Donc vous voyez, ça c'est ce qui me restait, mais je vais la mettre quand même avec ces pelotes là. Donc là, il m'en reste une, deux, trois, quatre. Il m'en reste cinq de celle-là. Voilà. Et du coup, je vais remettre la bleue marine ici. Voilà. Donc, Passport Plus, Bergère de France. Sport Plus, crème. Il m'en reste cinq. Voilà. Je crois qu'en Bergère de France, c'est... Ah non ! Ma main, j'en ai encore. J'en ai encore. Comment ça se fait? Ça, c'est de la Filidar. Bah, je vais la mettre où? Ah, mais je vais la mettre avec la Hobby. C'est rien. Je vais me mettre avec la Hobby. Alors, celle-là, je l'ai achetée. Pourquoi? Je ne m'en rappelle plus. Je ne sais plus. C'est de la Barisienne. Alors... Voilà, la Barisienne 7, couleur galet. Je l'ai acheté pour quelque chose, celle-là. Mais pourquoi, je ne m'en rappelle plus. C'est pas grave. Alors, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc, ça va, c'est une bonne... comment? Une bonne quantité pour faire un pull ou un gilet. Bah, du coup, je vais la mettre là, hein, parce que là, il n'y a plus de place. Voilà. Ah, je les tricote ma pelote. Voilà. Donc, ces deux-là, c'est deux grosses quantités. Comme ça, je sais et je verrai ce que je veux faire avec. Alors, je vais la marquer. Alors, j'ai dit que c'était de la Barisienne 7. Ouh, j'ai mon ventre qui gargouille. Et la couleur, c'est galet. J'ai dit que j'en avais 15. Voilà, ça, c'est bon. Là, je crois que c'est bon. J'ai plus de Bergère de France. Je rejette un œil quand même. Ça, c'est quoi? Ah, ben si! Ah, c'est pas possible. Comment je vais la ranger, celle-là? Alors, celle-là, c'est de la Barisienne. Voilà. Alors, celle-là était prévue pour... Ben, c'est celle qui était prévue, je crois, pour le gilet de ma petite fille. Elle a honte, la mamie. Bon, je peux encore lui faire, hein. Sauf que maintenant, elle a grandi. Maintenant, elle a grandi, donc... voilà. donc, celle-là, c'est la couleur blé. Elle se tricote en 4. C'est rien, je vais la mettre là. Voilà. Alors, je sais pas combien j'en ai, je veux pas en avoir beaucoup celle-là en plus, c'est pour ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8, donc je vais la noter. C'est la 4 couleur blé, j'en ai 8. Voilà, j'en ai pas d'autres. Hein. Je regarde parce que non, après c'est Filda, pingouin, Filda, là, pingouin. Ça doit être le pingouin aussi. Ouais, pingouin.
Voilà. Alors, en plus, vous remarquez, hein, mes couleurs sont toujours un peu pareilles. Je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, donc ça et ça, c'est Bergère de France. Voilà. Du coup, je remettrai peut-être les cotons Bergère de France ici. On verra, je ne sais pas encore. Alors, ben là, ça fait il y en a beaucoup, donc je pense qu'elles vont rester là. Alors, celle-ci, c'est de la pingouin, la Pingo Mini. Voilà. Et c'est la couleur beige, tout simplement. Celle-là, j'en ai 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. J'en ai 17 comme ça. Je crois que c'était 10 achetés, 10 gratuites, ou je ne sais plus ce que c'était celle-là. Alors, pingouin. Pingo Mini. Couleur, j'ai dit, beige. Mince, je sais plus. J'ai compté, je sais plus. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Voilà. Donc ça, c'est une bonne quantité. Je peux faire quelque chose de bien avec. Bon, là, je vais pas les enlever, je vais juste donner un petit coup de poussière sur le devant. Comme elles sont bien rangées. Voilà. Et donc, la deuxième, c'est une Pingo Mini également. Voilà. Et c'est couleur écrue. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bon, pourquoi j'en ai 13? J'en sais rien. Hop, allez, rentre là-dedans, toi. Alors, écru. Voilà. Donc celle-là, bah, c'est bon, elle est rangée. Ouais, vous allez voir que je vais rattraper de la place. Mais non, 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 je ne remplis. Non, ça c'est de la fil d'art. Là, j'ai de la pingouin. Pingo First. Voilà. Pingo First. Donc celle-là, c'est la couleur mocha. Et je suis en train de penser que j'aurais dû faire mon pull. Vous voyez, mon pull en ce moment, je fais avec cette couleur-là. Mais j'aurais pu le faire aussi avec celle-là. Mais bon, c'est pas grave. Alors, celle-là, j'ai dit que c'est la pingouin, donc elle va aller là-haut. Et j'en ai. On va les compter en les mettant. Une, deux, trois, quatre. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, je sais. Ouais, ça y est, je me rappelle, c'était pour faire quoi celle-là? Alors, 9. Donc, je vais la marquer. Donc, celle-là, c'est toujours la pingouin. Là, c'est la Pingo First. Mon cas. J'en ai 9. Voilà. Et c'était pour aller avec celle-ci. Je me rappelle, c'était pour faire un pull à chouchou. Mais chouchou n'aime pas beaucoup les trucs rayés. Mais bon, on verra. Je ferai peut-être. Oh là là, la tête. Alors, ce matin, hier, je suis bien aux infos. La mode est revenue aux permanentes. Avant, je me faisais des permanentes. J'adorais avoir les cheveux frisés. Je crois que c'est. Je vais aller faire ça. Je vais attendre que ça pousse encore un peu. Je crois que je vais me faire une permanente. Au moins le matin, hop, sous la douche, on fait le toutou et on est coiffé. Ouais, je suis folle. Mais je vous jure, je crois que c'est ce que je vais faire. J'en ai marre de mes cheveux. Alors, la Pingo First. Ah, je rigole de mes conneries. Couleur noisette. Donc là, j'en ai 3. Vous voyez, c'était pour aller donc avec celle-ci. Noisette. 3. Voilà. On va faire une nouvelle page. Ouais, j'ai déjà. Voilà. Vous voyez. Ah, je vous jure.
Alors maintenant, on est donc. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Retourne avec tes copines. On est dans les fils d'art. Alors, fils d'art, j'ai la Charlie. Je sais pas si elle existe encore, la Charlie. Couleur noisette. Voilà. Donc, ça se tricote avec du 4. Alors, je vais l'enlever quand même pour donner un petit coup de poussière. Ça m'énerve cette poussière. Bon, heureusement, les travaux sont terminés. Enfin, ils sont terminés. Mais ils viennent. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit, ma fenêtre de salle de bain n'avait pas été changée. Parce que ben moi, il faut, pour changer ma fenêtre de salle de bain, il faut démonter ma douche. Parce que ma douche dépasse de 10-15 cm sur la fenêtre. Ce qui fait que je ne peux pas l'ouvrir. Oh, j'ai une poussière dans l'œil. Je ne peux pas l'ouvrir entièrement. Bon, ça encore, c'est pas très grave. Enfin, si, c'est ça m'emmerde. Voilà, disons les mots comme ils sont. Mais voilà. Mais ils n'avaient pas pu, je ne sais plus pourquoi. Bon, soit. Donc là, ils sont, la dame responsable des travaux est venue hier avant-hier. Enfin bon, on s'en fout. Pour me dire. Alors que le 5 février. Alors en plus, il fait pas encore très chaud. Hein. Le 5 février, ils viennent. Donc moi, le 4 au soir, il va falloir que je vide ma salle de bain. Ça va, elle est toute petite, c'est vite vidé. Hein, mais bon, quand même que je la vide. Je vais la nettoyer un peu malgré qu'ils vont faire des travaux, mais bon, parce que derrière les meubles, souvent, hein, c'est pas, on fait pas toujours derrière nos meubles. Hein. Donc le 5, ils viennent démonter la douche. Donc plus de douche. Le 6, ils viennent mettre la nouvelle fenêtre. Et le 7, ils viennent remettre la douche. Alors moi, ça va me permettre quand même. Le 5, une fois qu'ils ont démonté la douche, de faire un gros, gros nettoyage de la salle de bain. Parce que bah, derrière la douche, malgré que moi, il y a un écart. Hein, la douche n'est pas collée au mur, hein, puisqu'il y a de la tuyauterie. Mais je ne peux pas non plus aller nettoyer derrière. Ça va me permettre de pouvoir faire un gros, gros nettoyage derrière la douche. J'avais envie de mettre en peinture. Mais Chouchou, il ne veut pas. Il dit non. Mais bon, on est, vous savez, d'ici le 5, hein, je suis capable de lui dire, allez, si, un petit coup de peinture. On achète une peinture qui sèche vite, ça va aller. Mais au moins, si on fait déjà derrière la douche, après on fait le reste après, hein, c'est pas grave. Comme ça, le 7, ils remettent la douche, mais moi, au moins, ce sera tout propre derrière. Voilà. Et je vous disais ça pourquoi? Je sais plus. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. Ah. Ouais, je sais plus pourquoi je disais ça. Bon, c'est rien. Donc, demain, je vais voir mon neurologue. Je vais lui dire, ça marche plus dans la tête. Alors, donc je vous disais, lapine gauche, Charlie Noisette. Donc j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Bon, ça va tomber, je vais les ranger après. Alors, je marque la file d'art, une peluche. Ben alors, c'est dans le fil. Voilà. Fil d'âme. Je sais plus pourquoi je vous parlais de ma salle de bain. Oh là! La Charlie, Noisette. Et je ne sais plus. Oh là là, ça devient grave. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 13. 13 pelotes. Voilà. Alors, j'en ai encore là. Alors, je pense que ça, j'ai dû faire quelque chose avec.
parce qu'il n'y a que trois pelotes. J'ai dû faire un truc avec, mais quoi, je ne sais pas. C'est de la Charlie également. Voilà. Et celle-là, c'est la couleur lin. Attendez, je suis bien en train de tricoter en. Ouais, je suis en train de tricoter en Pingo First. J'ai eu un petit couac d'adrénaline, là, je dis mince. Donc, celle-là, elle ira devant. Donc, celle-là, il n'y en a que trois. Je peux la tricoter avec celle-là. Hein. Regardez. Hop. Elles vont ensemble. Alors, celle-là, c'est la Charlie, mais couleur lin. J'en ai trois. Donc, ce qui me ferait une quantité de 16 pour faire un pull, un gilet. Du coup, je vais mettre celle-là avec. Voilà. Celle-là, on verra ce que je ferai. Je vais la mettre dans le fond. Elle est douce. Hein. Et elle va bien avec celle-là. Je ne sais pas. Je regarderai si je me trouve un modèle. Mais comme c'est une laine qui n'est plus vendue, les modèles, je vais chercher sur Internet. Voilà. Hop. Ah, il en reste une, bien sûr. Bon, ça y est, on va la mettre sur le côté. Et du coup, les trois, là, je vais les mettre devant. On commence à avoir plus clair. Ensuite, alors celle-là, je dois en avoir quelque part, mais où? Je ne sais pas. C'est un pull que j'avais commencé. Ah, mais attendez. Alors ça, c'est ma caisse de reste. Un jour, je ferai peut-être une couverture avec des restes. Ah oui, voilà. Alors, voilà le gilet de ma petite fille. Mais alors, ça c'est le dos. Mais maintenant, il lui ira plus. Hein. C'est ça le problème. Ça c'était le dos. Voilà. Elle voulait un truc tout simple. Mais je me suis plantée sur les devants. Alors, ça, c'est quoi? Ouais, c'est un devant. Je vous montre. Bon, on va mettre comme ça. Hein. Regardez. Il y a un truc qui ne va pas. Alors, ça, je vais garder. Je vais essayer de le détricoter. Et je mettrai dans mes restes. En plus, j'avais super bien tricoté. Hein. Mais non, voilà. Les deux devants, hein. J'avais fait les deux devants. Hein. Tant qu'à faire, je m'en suis aperçue vraiment trop tard. Là, alors ça, c'était un. Je ne sais plus avec quelle laine je l'ai fait. Je ne sais plus. C'était un truc pour moi, mais il y a plein de défauts. Il y avait plein de défauts. Regardez, voyez? Je sais pas, plein de défauts. Donc je l'ai arrêté. Pareil, je vais le détricoter, garder pour faire une couverture de reste. Et voilà, celle-là, c'est celle que je faisais avec ça. Voilà, le fil Othello et le fil Light. Mais alors, c'est moche. J'ai fait comme ils disent. Hein. Regardez ça. On dirait la serpillière du Père Noël est une ordure. Alors, celle-là, je ne vais même pas la détricoter parce que je vais la jeter. mais elle est. C'est moche. C'est super moche. Regardez ça. Et je veux bien que je sois grosse, mais j'ai fait la taille. Hein. J'ai fait la bonne taille. Et de toute façon, je sais que je ne tricote pas large. Donc celle-là, c'est poubelle.
C'est dommage, hein, mais voilà, ça, ce sera poubelle. D'ailleurs, je vais l'enlever. Ça ne sert à rien de le laisser là. Par contre, ces deux-là, je vais les détricoter et je mettrai la laine dans les... pour faire une couverture de reste un séjour. Pour ça, ça ne sert à rien. Voilà. Et je pense pas qu'il me reste de la laine dans... Non, elle est vide. Ça va. Voilà. Moi, ça après. Alors, du coup, le fil light, ça va loin, le fil light. Même avec trois pelotes, je le tricote avec une autre. Ça va très loin. D'ailleurs, c'est ça que j'avais pris aussi pour tricoter avec, avec celle-là, je crois. Ouais. La bergère de France, la sport. J'avais tricoté avec celle-là, vous voyez. Donc, je pourrais peut-être faire un truc avec. Donc, celle-là, je vais la mettre là, puisque c'est de la fil d'art. Alors, fil d'art light, c'est de la blanche, ou c'est quoi la couleur? C'est de la, ouais, blanc. Il en reste 3, voilà. Et ça, c'est de l'Othello, qui n'existe plus. Alors, je ne sais pas ce que je peux faire avec, parce que là, je n'ai que 3 pelotes, du coup. C'est du 100% laine. Alors, pour l'instant, je vais la garder, je vais voir. Parce que pour une taille 42, ils disent 8 pelotes déjà, donc je sais pas ce que je vais faire. Pour l'instant, je la garde. Si quelqu'un est en panne de cette laine, bah, dites-le moi. Hein, là, c'est la couleur pastel, la 203. On sait jamais. Ça peut... Sinon, j'essaierai de faire quelque chose avec. Je verrai. Hop, donc celle-ci, elle va avec les. Avec les fils d'art. Voilà. Hop. Voilà. Donc, Othello. Pastel. Il en reste 3. Voilà. Ouh. Mais écoutez, on commence à voir clair. Hein. Ça, c'est laquelle? Ah oui. Alors, celle-là, c'est la fil d'art. Ouais, la fil d'art aussi, vous vous rappelez. C'est là le fil diamant. Voilà. Donc, c'est celle que j'avais essayé de tricoter l'autre jour, puis ça n'a pas marché. Mais je vais essayer de m'en servir autrement. Enfin, autrement, je vais faire un pull avec, mais je veux dire. Pour du taille 42, il faut 5 pelotes. Donc. Ou alors que je tricote avec une aiguille d'une taille au-dessus. Parce que là, j'avais tricoté ouais, en 3,5. Peut-être essayer de faire en 4. Je referai un essai, un petit échantillon, et je verrai. Et il me reste du coup une pelote que j'avais utilisée pour mon pull, mon gilet diamant. Donc c'est couleur prune. Je vais le garder. Pourquoi pas faire un contraste, un contrastant avec ou. Alors, là, je vais le mettre en bas. Alors, du coup, il me reste la pelote que j'avais entamée, mais elle n'est pas entière puisque je n'avais pas réussi à détricoter ce que j'avais fait, donc j'avais coupé. Donc, là, elle n'est pas entière. Donc, je ne la compte pas. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'en ai 6. On verra ce que je peux faire avec. Ouais, alors, fil d'art,
voilà. Fil diamant. Alors, celui-là, c'est guimauve, je sais. J'en ai 6. Bon, j'ai marqué 6 et demi, comme ça, je sais qu'il y en a une entamée. Et j'en ai une en prune. Voilà. Hop. Pour l'instant, alors, fil d'art, c'est tout. Je regarde, hein, parce que là, j'ai des trucs partout. Donc, ça, ça va. Et là, j'ai un truc aussi, mais... Ah ! Oui. Je les avais descendus et je m'en suis pas servi. Donc, je vais les remettre dans la tricothèque. Hop. Ah bah, du coup, c'est là. Donc, il y en a 3 de plus. C'est la Pingo Mini. Ça, je vais les laisser là devant. Hop. Comme ça. Et du coup, la Pingo Mini, il y en a 3 en plus. Donc, 17. Ah bah, c'est ça, c'était 20. Voilà. C'était un paquet de 20. Voilà. Alors, ensuite, ça va? Pas trop long? On est à quoi? 1h16. Je commence à avoir soif. Ici, la file d'art. Alors, celle-là, je sais, j'ai déjà le modèle. Je l'ai mis dans mon drive. Normalement, il y en a assez. C'est la file d'art, fil eucalyptus, 100% lyocell, 100% biodégradable, fabriqué en Italie. C'est le fil que j'avais eu dans le colis mystère. Voilà. Donc ça se tricote en 6 et la couleur, c'est la 104. Donc, hâte d'essayer de tricoter. Parce que vous voyez, c'est comme un fil tissé. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Voilà, c'est un fil plat, on dirait qu'il est tissé. Donc j'ai hâte de pouvoir commencer de faire mon petit top avec. Donc ça, ça va rester là. J'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 10. Et normalement, c'est la bonne quantité pour faire le petit top que j'ai vu. Alors, je vais tout mettre comme ça. Voilà, ça je la laisse là. Donc ça c'est alors fil d'art, fil eucalyptus. Et j'en ai 10. Celle-ci, pareil. Alors je vais, là par contre celle-là je sais pas encore, mais c'est plutôt un top pour les fêtes ou voilà. Pour faire un pull en taille 42, il en faut 13. Donc moi ce sera plutôt un top. Ou alors si je peux le tricoter avec autre chose. Là c'est le fil sirène. Donc c'est pareil, hein, c'est un fil qui n'existe plus. Voilà. Et c'est la couleur Gypsy 109. Donc ça j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10. Voilà. Donc cela je vais laisser là derrière parce que... Alors. Fil, sirène, gypsy, 10. Voilà. Bon, ça va être clair, hein. qu'est-ce qu'il me reste? Alors, ça, ça n'a pas de marque, hein. C'est les fils que j'avais eu chez VIP Cross Stitch. Voilà. Donc, c'est un genre de
C'est un genre de coton acrylique. Ouais, non, c'est plutôt de l'acrylique, 100% acrylique. Donc là, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec du tout. Mais je le mets là. Donc là, j'en ai 8. Non, mais, non, 6. Donc pareil, ça, ce sera pour un petit top. Je vais marquer VIP, cross-stitch, comme ça, je sais ce que c'est. Donc là, c'est acrylique. En plus, j'ai pas le numéro de comment numéro d'aiguille dessus. Donc c'est assez fin, donc peut-être en 3. On verra. Donc c'est jaune. J'en ai 6. Alors, rappelez-vous, cela, c'était chez FG Normal. J'avais demandé une quantité top. Et il m'avait envoyé une pelote de chaque. J'ai reçu hier un colis que vous verrez lundi. Ils m'ont mis la quantité que je souhaitais et ils me l'ont mis dans cette couleur-là. Donc, bon, du coup, je me retrouve avec celle-là. Je vais la garder pour l'instant et sinon, je la donnerai ou je la vendrai. Je verrai. Je la donnerai plutôt. Donc, du coup, là, je vais en avoir 8. Normalement, j'en ai 9 en tout. Donc, là, c'est une bonne quantité pour. Mais ça, je ne peux pas les mettre tout de suite dans l'armoire, enfin dans les box, puisque je ne vous ai pas encore fait la vidéo. Donc, je vais quand même le marquer. Bon, j'ai marqué VIP Constitution, je pense que c'est pas grave. Acrylique, blanc et noir. Donc là, j'en aurai 9. Bon, l'autre, je ne le marque pas, ce n'est pas la peine. Ici. Alors, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que j'en fais. Je les ai achetés, mais je ne sais toujours pas ce que je veux faire avec. Alors là, j'ai une grosse quantité, mais dans 3 couleurs différentes. Là, j'en ai 4 comme ça. Voilà. Oups, j'allais tomber. J'en ai 4 comme ça. C'est de l'action. C'est de la mohair. Alors, 55% acrylique, 30% nylon, 10% laine, 5% mohair. Donc ouais, c'est pas de la mohair, c'est de l'acrylique. Hein. Ils ont mis un petit peu de mohair dedans. 150 grammes, 570 mètres. Du coup, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. J'en sais rien. Donc en plus, là, je crois que je vais la laisser là. Donc, je la mets là. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce que je veux faire avec. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Qu'est-ce que vous avez fait avec? Dites-le moi. Parce que là, si vraiment je ne trouve pas d'idée, je vais mettre là. Si je ne trouve pas d'idée, c'est une laine que je revendrai, je pense. J'en sais rien. Alors, je l'ai dans la couleur marron. Hop, j'en ai 4. Voilà. Fifi, s'il te plaît. C'est pas petit jeune maman, hein, mais j'en ai 2, on va dire vieux roses. Voilà. Et j'en ai 2. Oui, mon bébé d'amour. J'en ai 2 roses plus claires. Voilà. Donc en tout, j'en ai 8. Mais bon, celle-là, je la marque pas non plus pour l'instant parce que je sais pas ce que je vais en faire. On verra. Et pour terminer, ah oui, du coup, j'ai ma fourrure là. Je vais la laisser là, la fourrure. Pour le moment, on verra ce qu'on fera avec. Et pour terminer, alors, là, il me reste une pelote comme ça, mais j'en ai vraiment pas besoin, donc je vais la revendre. C'est un fil d'art, fil looping. C'est une pelote de 100 grammes. Elle fait 163 mètres, mais bon, je vais la revendre si ça peut faire un bonnet, voilà. Mais moi, j'en ai plus l'utilité. Il manque des trucs en laine, mais je sais pas où ils sont. Ah oui, voilà, elle est là. La même en gris, et j'ai encore un fond. Là, j'ai encore un fond.
Si jamais quelqu'un est intéressé par la pelote, ben j'ai encore des fonds de pelote de cette couleur-là. Ah, j'ai tout qui tombe. Voilà, j'ai même encore du fil diamant. Oh. Voilà, les fonds de laine, on verra ce qu'on fait avec. Ah, j'ai encore ça. C'est vrai, j'ai encore ça. Alors, d'abord. Ça, je l'ai acheté. Alors, pour faire des bestioles, mais je ne me suis pas encore lancée. C'est la velvette d'Action. Donc, c'est un velours. Donc, c'est 300 grammes, 288 mètres. Alors, est-ce que je vais faire des bestioles avec, ou est-ce que je vais faire autre chose? J'en sais rien. Ou est-ce que je vais les revendre? J'en sais rien. Donc pour l'instant, elles sont là et j'ai les big pelotes Action. Alors celle-là, je sais ce que je veux faire avec, mais je ne sais pas. Je pense que je vais plutôt utiliser la bleue. On verra. Et celle-là, je verrai. C'est des cakes géants, 1000 grammes, 970 mètres. Voilà. Et le dessin, ça va faire ça. Voyez. J'ai envie de me faire, alors comment on l'appelle cette veste, une veste hexagone, voilà, en granit, en point granit. Donc j'ai envie de me faire ça avec ces deux pelotes. Donc là j'ai la bleue et j'ai la rose. Bon, les velvettes, je sais pas ce que je vais faire avec. Donc on verra bien. Pour l'instant je laisse là. Si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi. Voilà. Il n'y a pas de problème, je les revendrai. Sinon, j'essaierai de me trouver quelque chose à faire avec. Voilà. Ensuite. Bouge pas, Fifi, ça va aller. T'inquiète. Non, ça bouge pas, ça va. J'ai acheté ça. Alors, là, les pelotes sont toutes destroyées. C'est pas grave, j'ai acheté ça. Alors, ouais, elles sont complètement destroyées. Il faut que je les refais sur mon groupe de vente. Alors, je vends, mais je rachète. Je pense que je vais faire une petite écharpe pour quelque chose avec. Je verrai. Je l'ai acheté parce que je la trouvais belle, mais j'ai vraiment pas d'idée. Donc, celle-là, je la marque pas non plus. Et j'ai acheté celle-là. Alors, j'ai pas la marque, mais je pense que c'est du fil d'art. La personne a découpé les marques. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi elle a découpé la marque. Hein. Mais bon. Voilà. La Tropique. Voilà, là, vous voyez un peu mieux. Faire un petit top. Ouais, pour faire un petit top. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, j'en ai 10. Donc là, bon, ça trop belle. Donc ça, ce sera pour faire un top. Voilà, donc quantité top. Je vais mettre ma fourrure là. La fourrure, elle va se balader partout. Top, je vais mettre ici. Mais je sais pas pourquoi la personne a découpé la marque. Alors, je vous montre. Vous voyez, c'est ça le fil. Donc, je vais d'abord faire un échantillon pour voir ce que ça donne pour le rendu. Si c'est pas trop déjaugé. Voilà. Mais on verra. Bon, je crois que j'ai tout sorti. Voilà. Là, alors, je me suis aperçue cette semaine, vous savez, des fois sur, sur Facebook, on a des anciens messages qui reviennent, je ne sais plus comment ils appellent ça, et je me suis aperçue que ça fait 6 ans que c'est commencé. C'est une veste que j'ai pris. Alors, je sais même pas ce que
que j'avais déjà commencé à la coudre. Ouais. Mais. Attendez. Je ne sais même plus dans quel sens elle va. Ouais. Il manque un bras là. Non? Ah non, il est là. Non, il n'est pas là. Ah mince. Attendez, il manque un bras. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je crois que j'ai même fait une connerie dessus. Là, j'ai un bras. Ah non, il est là. Voilà. Alors, donc j'avais cousu juste le raglan du dos. Bon, de toute façon, c'est une veste, donc voilà. Le col est commencé. Et c'est là que vous voyez, le col est commencé. Il y a même des poches, mais bon, les poches, ça, je ne les mettrai pas. Et il me reste donc une pelote. Ça, c'est bon, j'ai assez du coup. Elle n'existe plus, je crois, celle-là. Qu'est-ce qui... Bon, je vais monter parce que là, voilà. C'était la bergère de France, Jaspé. Donc ça, c'est une veste pour chouchou que j'ai commencé il y a 6 ans. Oui, j'ai honte. J'ai honte. Qu'il faudra... Alors, j'avais perdu le modèle. J'ai fait un avis de recherche. Et il y a une personne qui m'a redonné le modèle. Du coup, je pourrais... Ben, je pourrais la finir. Il faut que je la finisse, de toute façon. J'espère qu'elle a encore la bonne taille. C'est surtout ça. Voilà. Sinon, ben, on verra bien. Hein. De toute façon, je la finirai. Et puis, je verrai ce que j'en fais. Ça va là-dedans. Donc, voilà. Ben, écoutez, je crois que je vous ai tout montré. À part la caisse de reste. Mais ça, on fera une vidéo à part... J'ai plus de part nulle part. Hein. Je regarde parce que moi, des fois, il y en a un peu à droite, à gauche, au milieu. Non. Donc ça, la veste, c'est là. Et du coup, voilà. Là, il y a encore des restes. Je vais les mettre tout de suite dedans. Alors, j'ai des restes de ça. C'est la laine que j'avais utilisée pour faire mon grand pull gris, vous rappelez. Donc ça peut aller dans la... Bon, ça, par contre, c'est du coton. Ça n'ira pas dans une couverture de reste. Et ça, c'est du fil light, alors du vert. Je ne sais plus dans quoi je l'ai utilisé celui-là. Je ne sais plus. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai encore de. En plus, tout est mélangé, il va falloir. J'ai encore du fil light. J'avais fait mon gilet. Ah, mais j'ai encore un. Ah, bah attendez, ça, je vais la mettre dans la caisse avec la veste pour mon mari. Voilà, il y a un reste. Je vais mettre dans la caisse. Si je peux utiliser le reste au lieu d'entamer la deuxième pelote. Ouais, j'ai. Ah, j'ai encore ça. Ça, c'est pour faire des éponges. J'en avais fait une et là, j'ai encore la quantité pour en faire une. Voilà. Ouais, après, ouais, je vais utiliser. Ah oui, j'ai ça aussi. C'est du coton également. Alors, les cotons, je vais peut-être les mettre ensemble. Parce que si jamais il me manquerait une quantité pour faire avec les cotons que j'ai là. Ouais, après. Là, j'ai quoi? Oui, j'ai quand même. Alors ça c'est une pelote presque entière, c'est de la parisienne. Non, j'en ai plus là. Je sais plus ce que j'avais fait avec. Bon, ça je vous montrerai en détail plus tard. Voilà. Et voilà avec la jaune, vous voyez, j'ai du gris. J'ai encore du gris. Donc ça fait que j'ai presque deux pelotes de gris. Et j'ai le jaune. Oh, il y a encore du gris là. J'ai le jaune que je vous ai montré. Voilà, donc si quelqu'un veut acheter la jaune, voilà, j'ai encore tout ça. Voilà, j'ai encore tout ça. Et j'ai presque deux pelotes de gris. Voilà. Donc ça, c'est pas vraiment des restes. Hein. Du coup, on peut faire quelque chose avec parce que j'ai encore un bout. voilà.
Donc ça, c'est ma caisse de reste. Voilà. Avec la veste. Et du coup, il y aura ça à vendre. Ça, je vais faire les photos dans l'après-midi. Et je mettrai sur le groupe. Voilà. Donc là, je laisse devant. Et ici, je vais prendre ce panier-là pour y mettre les laines que je suis en train d'utiliser. Comme ça, je ne cherche pas après. Donc, celle de mon pull fil d'art. Celle de la couverture météo, mais 2023. Bon, le panier est un peu petit, hein, mais ça va aller. Là, mon pull camionneur. Donc, il m'en reste 3. Normalement, là, la quantité est bonne pour le terminer, j'espère. Ils se sont pas plantés. Voilà. Et la Calinou, pour terminer le débardeur à chouchou. Donc ça, ça va rester dans le panier. Ça, c'est la couverture. Alors, je vais la mettre dans un sac. Ça, c'est mes aiguilles. Alors, j'ai un tri dans les aiguilles après aussi, parce qu'il y a des aiguilles que je n'utilise pas. Et que bah, ça ne sert à rien que je les garde. Donc, dites-moi si ça peut vous intéresser, des aiguilles à tricoter. Il y a peut-être aussi des crochets. Il faut que je regarde. Donc, voilà. Ça, c'est la première partie de la couverture. Donc, mon sac fil d'un pingouin. Voilà. On va la mettre en dessous. Alors, du coup, les cotons, je ne sais pas. Qu'est-ce que je ferais bien avec les cotons? Ben écoutez, là, c'est pingouin. Donc ça, je vous dis, je pense que c'est du fil d'art. Donc, je vais les mettre là. Les rouges. Les dorés. Hop. Venez là, les petits dorés. Et je vais mettre les rouges ici dans le fond. Au millimètre, hein. Voilà. Hop. Voilà. Les dorés sont là. Doré et rouge, l'urex, ils vont bien ensemble. Hein. Et du coup, je vais mettre mes bergères de France, bah avec les bergères de France. Voilà, là c'est du coton, mais c'est pas grave. Les blancs ici. Voilà. Alors, j'ai des bergères de France en couleur. Je ne sais plus pourquoi j'ai... Ah non, je me suis trompée dans les quantités. Il en fallait plus de chaque couleur. Et je me suis plantée dans les quantités que j'ai commandées. Et maintenant, il n'y en a plus de celles-là. Donc, là, je peux faire un top. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je peux faire un top blanc avec des rayures vertes, jaunes et oranges. Pourquoi pas. Et du coup, les hobbies, je vais les mettre là. Hop, les deux marrons, enfin les quatre marrons et les quatre bleus. Voilà. Du coup, comme ça, la boîte me servira pour autre chose. Pourquoi, j'en sais rien, mais elle me servira. Voilà. Alors, un petit coup de poussière.
Alors, j'ai des livres là en dessous, je sais pas. Dentelle au crochet. Ah oui! Ça, c'est plus belle. Ça, c'est un napperon. Donc, le napperon, on va le remettre dessus. Ça, c'est pour la poubelle. J'arrête de garder des trucs qui ne servent à rien. Parce que j'en ai marre. Ah, ben voilà. Le pull tout bizarre, je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Mais bon. Du coup, ça, je vais le redescendre. Ça, c'est quoi? J'ai des trucs. Ah, merde. Pardon. Ah. Quand je vous dis qu'il y a des trucs bizarres, des fois. Et ça, c'est pour faire des modèles de châle avec un pull, avec un fil DMC. Voilà, j'avais fait un truc avec, je ne sais plus quoi. Et du coup, ça, ça va redescendre. Voilà, ça, c'est capsule, ça va redescendre. Bon. Du coup, je récupère mes deux pages, là. Voilà, c'est tout. Hop. Ça, c'est pour la couverture. C'est pour ce que je suis en train de faire en ce moment. Je remets mon petit. Alors, ça, je l'ai eu à quelqu'un, mais je ne sais plus à qui. Honte à moi, je ne sais plus. Je remets mon petit pot de ciseaux. Voilà. Et ça, c'est la boîte avec les boutons et la fermeture éclair. Bah, écoutez, on a bien travaillé, hein. Donc ça, je vais la mettre là avec les ciseaux. Voilà. C'est-il pas beau tout ça? Bon, j'enlève ça. Voilà. Donc ça, je vais l'emmener en bas. Ouais, je crois que j'ai tout mis. Ah, bah écoutez, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, je vous dis, dans l'après-midi, alors je ne sais pas si vous avez la vidéo avant ou après, mais je vous mettrai sur le groupe. Donc, le groupe, vous avez l'adresse juste en dessous, en barre d'infos. Je vous mets le lien. Donc, c'est le groupe Vide Atelier. Facebook, voilà, et vous pourrez aller voir des laines que j'aurai mis en vente. Du coup, voilà. Bon, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont bouger. Hein, je vous dis, celle-là, la laine, la 100% laine d'Obi, elle bougera peut-être. La fourrure, peut-être. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, les grosses pelotes de Mohair Action, la velvet, peut-être. Je vais voir. Et ça, très important. Ça, c'est ça. Je ne veux pas qu'on me l'abîme, je ne veux pas qu'on me la jette, je ne veux pas. J'y tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Oui. C'est une boîte pour y mettre les aiguilles. Voilà. Les aiguilles. Ce sont de vieilles aiguilles qui ont appartenu, et la boîte également, qui ont appartenu à une mamie dont je me suis occupée et à qui malheureusement j'ai fermé les yeux. Sa fille m'a donné la boîte, entre autres choses, hein, j'ai eu d'autres choses également. Et celle-là, de boîte, j'y tiens énormément. Voilà. Donc ça, elle reste là, voilà, comme ça, ici. Et je ne veux pas qu'on me touche. Voilà, bon, là-haut, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, c'est du rembourrage. Donc ça, je vais laisser là-haut, c'est pas grave.
Voilà. Et du coup, le pull cache-cœur, il va aller en bas en attendant, voilà, que je le reprenne. Ici, j'ai des sacs à pelote. Donc ça, ils vont aller là pour l'instant aussi en attendant. Je verrai plus tard. Et voilà, je crois que j'ai tout rangé. Ah oui, ici. Alors, ça, c'est ma trousse d'aiguille circulaire. Pour l'instant, je la remets en haut parce que je ne sais pas. J'utilise toujours pas mes aiguilles circulaires. Ensuite, lui, il est vide. Donc, on va le mettre dans la malle en attendant. Il n'y a plus rien. Non. Ça, c'est un sac de tricot que j'avais acheté chez Amazon. Donc, on le met dans la malle. Et ici, c'est un sac aussi. Lui, il y a des choses. Ah, ben, il y a un reste de. Ah, c'est de la Calinou. Oh, il faut que je descende ça. C'est un sac tricot aussi que j'ai eu chez Amazon. Donc en attendant, il va dans la malle. Voilà. Et ça, mon cauchemar. Ça, c'est mon cauchemar. Donc bah, du coup, il y a une pelote. Je vais la mettre dans. Voilà. C'est les chaussettes que j'ai commencé. J'ai toujours pas démonté, mais je vais la démonter. Voilà. Ça, c'est mon cauchemar. Je sais pas. Je suis pas. D'ailleurs, je vais récupérer l'aiguille. Et puis comme j'aurai 5 minutes, je referai la pelote. Voilà. Ouais, c'est mon cauchemar, ça. Je ne suis pas douée du tout pour les chaussettes. J'en sais rien. Ça ne me motive pas. Et donc, peut-être que je vais. Alors, ou alors, ce que je peux faire. Attendez, j'enlève l'aiguille. Je vais détricoter. Hein. C'est déjà quand je récupère mon aiguille. Comme ça, je vais la mettre tout de suite dans la trousse. Ah, ben allez, voilà. Si quelqu'un a une bonne âme, je lui envoie les deux pelotes. Voilà, je vous envoie les deux pelotes. Là, je vais détricoter cette partie-là. Et je ne sais pas si on pourra s'en servir ou pas. Et la personne qui veut bien me fait la paire de chaussettes. Qui veut me faire une paire de chaussettes? Je vous envoie la laine. De toute façon, comme je l'ai eu gratos, celle-là, je ne vais pas la vendre. Je vous envoie la laine. Enfin, le fil. Voilà. Si quelqu'un veut bien me faire une paire de chaussettes, en sachant que moi, j'ai pas un petit pied. Je fais du 41. Et j'ai des gros mollets. Voilà. Donc, il ne faut pas des grandes chaussettes, hein, plutôt chaussettes basses. Voilà. Parce que j'ai des gros mollets et si la chaussette monte sur le mollet, c'est mort. Ça va descendre à chaque fois. Donc, une âme charitable pour me faire ma paire de chaussettes, pour dire que la laine ne soit pas perdue. Et bien sûr, je paierai les frais de port pour le renvoi de la chaussette. Voilà, de la paire de chaussettes. Merci, c'est gentil. Voilà, donc ça, je vais le détricoter, je vais refaire la pelote, je vais ranger mon aiguille dans ma. Comment? Dans ma pochette. Du coup, celle-là, pareil, elle vient de chez Amazon, mais je n'ai rien dedans, non. J'ai acheté aussi chez Amazon. Ah, bah, si, ah, bah, c'est la pochette des aiguilles, ça tombe bien. Si quelqu'un, une âme charitable, donc veut bien me tricoter ma paire de chaussettes, ce sera la seule que j'aurai, mais au moins, bah voilà. Donc ça va aller dans la malle, un sac aussi. Voilà.
Bah, du coup, je vais détricoter ça. Et voilà. Allez, je vous fais une petite photo. Oula, ça dispute en bas. Je vous fais une petite photo. On est presque à 2 heures de vidéo, donc là, on va arrêter, hein. Ouais. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.